Silky B. Création successive, lente élaboration de la terre en travail. Les continents ont émergé des mers, à des intervalles de temps considérables que les anciens prêtres de l'Inde appelaient cycles interdiluviens. Le continent austral, englouti par le dernier grand déluge, fut le berceau de la race rouge primitive, dont les Indiens d'Amérique ne sont que les débris issus de troglodytes qui gagnèrent le sommet des montagnes et des volcans quand s'effondra leur continent. Dans les cycles précédents, la rouge et la noire ont régné successivement par de puissantes civilisations qui ont laissé des traces dans les constructions cyclopéennes comme dans l'architecture du Mexique. Selon les traditions brahmaniques, la civilisation aurait commencé sur notre terre il y a 50 000 ans, avec la race rouge. Sur le continent austral, alors que l'Europe entière et une partie de l'Asie étaient encore sous les eaux. Ces mythologies parlent aussi d'une race de géants antérieurs. La race rouge, nous l'avons dit, occupait le continent austral, aujourd'hui englouti, appelé Atlantide, par Platon, d'après les traditions égyptiennes. Un grand cataclysme le détruisit en partie et en dispersa les restes. Plusieurs races polynésiennes, ainsi que les Indiens de l'Amérique du Nord et les Aztèques, que François Pizarre rencontra au Mexique, sont les survivants de l'antique race rouge dont la civilisation a jamais perdu, eut ses jours de gloire et de splendeur matérielle. Après la race rouge, la race noire domina la culture. Hopewell se caractérise par un important réseau de communication et de commerce. À son apogée, le système d'échange Hopewell allait sud-est des actuels États-Unis jusqu'au sud-est de l'actuel Canada. Dans cette zone, les différentes sociétés échangeaient des produits exotiques venus du sud et des produits artisanaux tels que des poteries. Les Amérindiens d'Adena vivaient dans une région comprenant des parties actuelles de l'Ohio, de l'Indiana, du Wisconsin, de la Virginie-Occidentale, du Kentucky, de l'État de New York, de la Pennsylvanie et du Maryland. La culture Adena est considérée comme le précurseur des traditions de la culture Hopewell. Et cette dernière est parfois représentée comme l'élaboration ou l'apogée des traditions de la culture d'Adena. Vous voyez bien que c'était une civilisation organisée et qu'ils avaient un savoir-faire. Voici des tissus, des teintures, ils savaient comment extraire l'or, ils savaient comment faire des étoffes. Et vous voyez, les villes étaient bien organisées avec des marchés, des champs de coton, des bateaux, des ports. Que c'était pas des sauvages, c'était une civilisation avancée, raffinée. Le système d'irrigation et de l'utilisation des eaux de pluie, etc., pour transporter les marchandises et circuler dans les villes, dans la cité, c'était
bien plus développé que les villes qu'il y avait en Europe. Donc, à cette époque-là, à la même époque, les gens n'étaient pas si riches que ça. L'Europe n'était pas si riche que ça. C'est bien pour ça qu'ils sont allés en Afrique, qu'ils sont allés en Amérique, qu'ils sont allés en Asie, qu'ils cherchaient les Indes. On l'a déjà évoqué, l'arrivée des Mongoloïdes est tardive par rapport à la présence des Noirs sur le continent américain. Alors on nous dit qu'il y a eu plusieurs vagues successives d'invasion de Mongoloïdes. Et regardez les coupes de cheveux qu'il y a aujourd'hui et ce qu'on a pu comparer avec les gravures et les peintures qu'on a vues sur les murs. Avant 1492 et avant les vagues successives de Mongoloïdes qui arrivèrent en Amérique, même en Californie, la population était de peau noire. Et donc on voit aussi sur toutes ces cartes qui ont été faites par les Blancs, le Pérou, l'Uruguay, etc. Toutes ces cartes-là, je vous montre, ils peignent des Amérindiens à côté. On cherche où sont les Mongoloïdes. Cela, ça, c'est des temples. Donc, ils ont été faits par eux-mêmes. C'est comme ça que les Mayas se représentaient eux-mêmes. Voyez la Caraïbe, c'est le Yucatan, le Mexique, c'est la même mer, c'est la même population. La Floride, tout ça, c'est le même climat, c'est à proximité. Il y a un indice sur l'origine amérindienne. Même si ce qu'on peut appeler d'une certaine manière un hijacking, c'est-à-dire un braquage de culture, c'est-à-dire que les gens ben, vous donnent une origine latine, à dire ah oui, Cimarron, donc c'est des origines espagnoles et machin et ceci. On vous invente des origines que vous n'avez pas. Tikal, c'est une ville, on va dire une ville, un sanctuaire maya très ancien qui est dans la Caraïbe continentale, donc sur la terre ferme continentale de la Caraïbe. Donc on voit que dans la région du Mexique, du Chiapas et du Yucatan, il y a des traces de civilisations très très anciennes. Et donc Tikal, c'est un site très connu dans l'archéologie mésoaméricaine. Donc on peut voir aussi que les premiers habitants de cette région-là, avant que les envahisseurs mongoloïdes arrivent, parce qu'il y a eu plusieurs vagues par le détroit de Bering. On voit que les Inuits, les Esquimaux et vers le Montana, il y avait des mongoloïdes. Et ça, c'était à partir au moins de 7000 avant notre ère, quand ils sont passés sur le détroit de Bering. Et ensuite, il y a eu d'autres vagues. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les invasions mongoles connues qui passèrent à Damas, en Turquie, et les Huns qui arrivèrent même jusqu'en Germanie, donc même chez les Francs, hein, et mais donc en Europe, sont arrivés partout. Hein, les conquêtes mongoles, c'est aussi parti de l'autre côté. Alors comme certains historiens n'acceptent pas les voyages de navigation hauturière, c'est-à-dire en haute mer, et donc qui aurait pu atteindre la Californie, le Pérou, le Mexique, par la côte pacifique. Et puis, on sait aussi que l'île de Pâques et que les habitants du Pacifique ont pu, à un moment donné, dans un temps très reculé, émigrer sur le continent américain du côté pacifique. Ça a été prouvé que ça a pu être fait. Hein. Donc, il y a un très beau film qui a été fait sur ça. C'est Kon-Tiki. Je vous conseille d'aller le voir. C'est un mec. Il a construit donc un navire avec les techniques du Pacifique de l'époque et tout. Et donc, quand même, il a atteint les côtes de l'Amérique. Donc, c'était pour prouver que c'était possible. Des grottes de l'Oltoun dans la jungle de Pouc
est un pas en arrière vers l'époque préhistorique. Il remet en question notre notion du temps et donne un aperçu des grottes rituelles mayas. Pour les mayas, les grottes et les cenotes étaient sacrées. C'est là que la vie a commencé et s'est terminée. Pour eux, les grottes étaient l'entrée dans le monde souterrain, appelé Ribalba. Ils croyaient que chaque la pluie y vivait et y déposèrent ses offrandes. Bien sûr, les grottes étaient aussi une source d'eau. Le nom de la grotte est dérivé de deux mots mayas, lol, fleur, et tun, pierre, fleur de pierre. L'occupation à Loltun par les mayas remonte à plus de 10 000 ans et servait de cachette pendant les guerres de caste. Il y a des barricades du 19e siècle construites par les rebelles mayas qui s'y sont abritées des Espagnols. La grotte a donc été utilisée par les mayas jusqu'à tout récemment. À l'entrée principale, deux stèles y sont exposées. Une stèle est une dalle de pierre érigée par les mayas comme monument afin de célébrer l'avènement du roi sur le trône ou tout autre événement important tel que des batailles victorieuses, la naissance d'un héritier, un mariage, etc. Ces stèles ont été retrouvées dans la jungle près de la grotte. Après tout, les sites des ruines de Pouk sont très proches de cette zone de jungle. Et cette zone de jungle était densément peuplée. Si vous avez visité les ruines d'Urmal et de Sahil, vous savez sûrement que cette région avait également un culte phallique fort. Le culte phallique est présent dans la région de Pouk et à Chichen Itza à l'époque post-classique, à partir du 10e siècle. Les symboles phalliques ont été interprétés comme une expression du désir humain de régénération et comme un symbole de fertilité. Pas de sexe. Eh bien, surprise, surprise, vous pouvez voir un énorme phallus de pierre également à Loltun. La visite commence à l'entrée de Narkab, où se trouve le célèbre bas-relief connu sous le nom de El Guerrero de Loltun, le guerrier de Loltun. Il semble rester là pour protéger les grottes. Ce relief a apparemment d'anciens traits olmèques. Eh bien, les Olmèques sont la plus ancienne civilisation du Mexique d'aujourd'hui. Bien qu'ils appellent ce personnage un guerrier, ce pourrait être un roi, car il semble tenir un sceptre. On ne peut pas bien le voir sur les photos, malheureusement. En tout cas, les rois Olmèques et Mayas étaient tous des guerriers, voire Stanislav Sladek en source. Selon lui, il s'agit d'une image d'un roi ressemblant à Chak, sur la stèle Izapa ou Chiapas. Michael Coe décrit Izapa comme étant un lien de connexion entre les Olmèques et les premiers Mayas. Imaginez le voyage des anciens peuples dans une jungle épaisse. Incroyable! Vous avez peut-être déjà vu des systèmes de gestion de l'eau similaires sur les sites des ruines de Urmal et de Sahil à proximité, où ils appellent le réservoir d'eau Chultun. La différence est qu'un chultun est un stockage souterrain creusé dans la terre, généralement en forme de bouteille, puis enduit de plâtre. Des restes d'animaux éteints ont été trouvés ici. Mammouths, bisons, félins et autres os d'animaux, indiquant une période climatique plus froide avec un environnement différent de celui du présent. Des outils de pierre fabriqués par l'homme ont également été trouvés, probablement produits par les premiers habitants de la péninsule. Nous ne pouvons pas les voir, ils ne sont pas exposés ici. Ces objets se retrouvent généralement dans les musées. Apparemment, les anciens Mayas avaient coupé les extrémités des stalactites et des stalagmites à des fins rituelles. La troisième plus grande pyramide du continent américain est la structure préhistorique en terre la plus vaste de toute l'Amérique. 156 marches sont à gravir pour atteindre le haut du tumulus. Ils transportaient leurs marchandises par les cours d'eau. Les spécialistes savent que le Mississippi servait de voie de communication avant l'arrivée des Européens. Les Amérindiens le parcouraient à bord de canots d'écorce. Ils transportaient les troncs par flottage. À Cahokia, étaient échangés du cuivre, de la nacre, de la viande de bison et de wapiti. Le fleuve et ses affluents fournissaient aussi du poisson.
Le tumulus est situé près de la ville de Collinsville, dans l'Illinois. Le tertre mesure 30 mètres de haut, 291 mètres de long et 236 mètres de large. Le monument pyramidal a la même taille à la base que la grande pyramide de Khéops en Égypte et est plus large que la pyramide du soleil de Teotihuacan au Mexique. Il se trouvait sur une place centrale de 25 hectares. Contrairement aux pyramides égyptiennes, ce tumulus en terre à quatre niveaux se termine par une terrasse à son sommet. Avec le temps, le tertre, construit en terre et en argile, a accumulé des quantités d'eau qui ont finalement affaissé une partie du sommet. Durant la guerre d'indépendance, les trappeurs parcourant la Louisiane française édifièrent un poste de traite appelé la cantine. Certains euro-américains pensaient que les 10 tribus perdues d'Israël avaient construit les monticules. Les bâtisseurs de monticules étaient une ancienne civilisation noire avancée qui ont développé les continents légendaires de l'Atlantide et de ainsi que l'Égypte ancienne et la Mésoamérique. Ce groupe noir prétendent que les Indiens mongoloïdes d'Amérique étaient trop primitifs pour avoir développé ces sociétés sophistiquées et pour posséder la technologie jugée nécessaire pour construire les monticules. Certaines personnes ont attribué les monticules à des cultures mythiques. La Fadio Hearn a suggéré que les monticules avaient été construits par des habitants du continent perdu de l'Atlantide. Au milieu du 19e siècle, les Américains d'origine européenne n'ont pas reconnu que leurs ancêtres avaient construit les monticules préhistoriques de l'Est des États-Unis. Ils croyaient que les travaux de terrassement gigantesque et les grands complexes cérémoniels avaient été construits par un peuple différent. Un article du New York Times de 1897 décrivait un monticule dans le Wisconsin, dans lequel un squelette humain géant mesurant plus de 9 pieds de long avait été découvert. À partir de 1886, un autre article du New York Times décrivait l'eau se retirant d'un monticule à Cartersville, en Géorgie, qui découvrait des hectares de crânes et d'os, dont certains étaient gigantesques. Deux os de la cuisse ont été mesurés avec la hauteur de leur propriétaire estimée à 14 pieds. Le président Lincoln a fait référence aux géants dont les eaux remplissent les monticules d'Amérique. Mais il y a encore plus. Cela rappelle un passé indéfini. Quand Colomb a cherché pour la première fois le continent, quand Moïse a conduit Israël à travers la mer Rouge, quand Adam est venu pour la première fois, alors, comme maintenant, Niagara rugissait ici. La race noire qui succéda à la race rouge australe dans la domination du monde, fit de la Haute Égypte son principal sanctuaire. Le nom Hermestote, ce mystérieux et premier initiateur de l'Égypte aux doctrines sacrées, longtemps avant l'époque aryenne, la doctrine du feu principe et du verbe lumière, renfermé dans la vision d'Hermès, restera le sommet et le centre de l'initiation égyptienne.